En pagaille. Vroom, vroom. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Vroom, vroom. Les enfants, pouvez-vous me dire à quoi joue Pocoyo? Au jeu de construction. Au jeu de construction? Ah non! Je crois que Pocoyo joue aux petites boîtes... oui, donc, au jeu de construction. Mais oui, vous avez raison, les enfants, ce sont bien des jeux de construction. En tout cas, c'est aussi amusant de jouer avec des blocs qu'avec des petites voitures. Bravo! Regardez les enfants, Pocoyo a construit une grande et magnifique... Mais, c'est curieux, d'où vient cette horloge? Voilà une excellente idée. Rien de tel qu'une bonne sieste à l'ombre de ce majestueux... Frigo. Tout ça a l'air délicieux, Pocoyo. Tu pourrais peut-être te préparer un petit encas. Ah, tu as envie d'un sandwich. Tu as bien raison. Pour commencer, tu prends une tranche de... Très bien. Ensuite, tu prends une ou deux tranches de... Miam, miam. Tu vas te régaler avec ce délicieux... Bon, eh bien, puisque tu n'as plus de sandwich, tu peux au moins jouer du banjo. C'est vrai, il n'y a rien de plus amusant que de glisser sur un... Trampoline.
je suis d'accord avec toi, Pocoyo. Quelle pagaille! Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Ah, je crois que je l'ai compris. Nina joue au jeu des mots magiques. Bravo, Pocoyo! Des lampions pour faire la fête! Quelque chose t'ennuie, Pocoyo? Au revoir, les amis. À bientôt. Rock and roll! Bonjour, Pocoyo! Tu joues de la guitare? Excellent! Vous avez formé un groupe de rock, les amis! Bonne idée, Fred. On va prendre une photo de groupe. Qui est le leader? Moi! Thank you.
voilà une photo de groupe parfaitement réussie. Bravo, Ellie! Maintenant, il faut prévenir tout le monde que vous allez donner un concert. Nina aussi prévient tous ses amis. Bien joué, Pocoyo! Ah, c'est le grand soir, le soir du concert de rock. La salle est pleine à craquer. Bon, eh bien, il vous reste au moins un fan. Oui, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est du rock'n'roll, les amis. Au revoir et à bientôt! Battle de danse 2. Bonjour les filles. Qu'est-ce que vous faites? Ellie, Nina, vous n'allez pas vous disputer. Je suis sûr qu'il y a des pas de danse qui vous plaisent à toutes les deux.
les filles, c'était très réussi. Venez, allons montrer cette chorégraphie super cool à vos amis. Arrêtez tout, s'il vous plaît. Roberto? Vous êtes tous des super danseurs. Au revoir, les amis. Dans le jeu vidéo. Vous avez l'air de passer un moment très agréable toutes les deux, n'est-ce pas, Ulie? Qui est ton amie? Ah, elle s'appelle Daisy. Je suis enchanté de te rencontrer, Daisy. Bien, bonjour, Martien Grognon. Tu es venu prendre le thé avec Ellie et Daisy? Axel,
C'est la vérité, Pocoyo. Le martien grognon a kidnappé Daisy. Oh non, je crois que tu as perdu, Pocoyo. Oui, cette coupe est très jolie, mais n'oublie pas ta mission. Oh là là, comment vas-tu faire pour passer de l'autre côté? Pocoyo, regarde! Attrape la pièce au-dessus de toi! Bravo, Pocoyo! Tu as réussi ce niveau! Pocoyo, regarde! Une clé! Peut-être que si tu réussis à endormir Dodo l'oiseau... Pocoyo, cette berceuse est horrible. Je crois que tu devrais demander de l'aide à quelqu'un. Pocoyo, vite pendant que la porte est ouverte! Surtout, sois prudent! Ce niveau a l'air difficile! Prends-moi tout de suite, Daisy! Pocoyo, tu peux encore demander de l'aide à une personne, tu te souviens? Tu as réussi.
Vous êtes vraiment gentils, les amis. Et toi, Martien Grognon, la prochaine fois que tu auras envie de quelque chose, rappelle-toi qu'il suffit de le demander gentiment et poliment. Le parc d'attractions. Bonjour les amis. Vous allez quelque part? Ah, vous allez au parc d'attractions. Vous allez bien vous amuser. Oh là là, ce bus est bondé. Je crois que vous allez devoir attendre le suivant. Le voilà! Mais non, ne vous inquiétez pas, les amis. Il reste encore un bus. Justement, le voilà. Oh non, c'était le dernier bus de la journée. Quel dommage, pas de parc d'attractions aujourd'hui. Mais peut-être que vous pourriez trouver une activité tout aussi amusante, non? Tu as une idée, Nina? Bravo, Nina! Ce manège était très amusant. Ah, toi aussi, tu as une idée, Pocoyo. C'était très amusant, mais j'ai l'impression que Pato est tout barbouillé. Au tour d'Eli maintenant. Formidable! Tu as réussi à fabriquer une course d'obstacles pour jouer. N'aie pas peur, Pato. Tu vas y arriver. Pato aussi a trouvé une idée de manège. Il va vous montrer. Ah, Roberto, je crois que Pato a besoin d'un coup de main.
Attention les amis, vous allez beaucoup trop haut. Tous. Avec un peu d'imagination, vous avez inventé votre propre parc d'attractions à la maison. Au revoir et à bientôt. Le gâteau aux fruits. Bonjour les amis, qu'est-ce que vous lisez? Un livre de cuisine. Ah, c'est très bien. Et vous avez trouvé une recette qui vous plaît? Ce gâteau a l'air savoureux. Je crois qu'il sera parfait pour le goûter. Et de quels ingrédients avez-vous besoin? Ah, je vois. Il nous faut des fruits extraordinaires, bien sûr. De quel genre de fruits s'agit-il? Ah, ce sont des fruits délicieux qu'on peut trouver dans l'incroyable forêt aux fruits extraordinaires. Ah, c'est mieux comme ça. Je crois que cette fourmi t'aime bien, Pocoyo. Nina dit que les fruits qui poussent tout en haut des arbres sont les meilleurs pour la pâtisserie. Il y en a partout dans la forêt. Peut-être pourriez-vous vous diviser en deux groupes pour aller plus vite et en cueillir plus. Oui, vous pouvez commencer ici. Il y en a plein. Ils ont l'air délicieux. Je vole! Mais dis donc, Pocoyo, rappelle-moi pourquoi vous êtes venu dans la forêt?
Bravo! Vous formez une très bonne équipe, tous les deux. Tu as vu, Ellie? Pocoyo a trouvé des fruits magnifiques en faisant du trampoline. Je crois que vous allez pouvoir faire votre gâteau maintenant. Formidable! Quelle chance que vous ayez autant d'amis avec qui partager ce délicieux goûter! La maison rose. Bonjour, Ellie! Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu repeins ta maison! Bien sûr, tu l'as peint en rose. Le rose est une jolie couleur. Oui, une très jolie couleur. Non, pardon, je voulais dire la plus belle couleur du monde. La plus belle de tout l'univers. Bonjour Pocoyo. Bonjour Pato. Bonjour. Ellie n'a pas encore fini de peindre sa maison. Peut-être que vous pourriez l'aider. Peindre. Je crois que... Enfin, peut-être que... Oui, Ellie aimerait beaucoup que vous l'aidiez. Peindre. Eh bien, Ellie, ta maison est vraiment... très rose. Quoi, qu'y a-t-il? Tiens, Pocoyo, un pot de peinture rose. Pato, j'ai peur qu'Ellie n'aime pas la couleur que tu as choisie. Ellie insiste. Elle veut que tu peignes la maison en rose. Non, bleu. Tu as vu, Ellie? Pato a peint ton portrait sur le mur.
Mais Ellie, ce n'est pas une mauvaise idée de mettre d'autres couleurs. Toi, tout rose? Ellie, tu es sûre? Mais Pocoyo! Oh non, Pato, arrête! Écoutez, les amis, vous devriez peut-être... Arrêtez tous les trois, calmez-vous. Mais calmez-vous! Si vous n'arrêtez pas de vous chamailler, jamais vous ne trouverez de solution. Regardez-moi cette pagaille. Excellente idée, Ellie. Chacun de vous va peindre une partie de la maison. C'est beaucoup mieux comme ça. À présent, la maison est vraiment magnifique. Au revoir et à bientôt, les amis. Oh, vous entendez? Qu'est-ce que c'est? Je me demande d'où viennent ces sons étranges. Vous pouvez m'aider, les enfants. Vous savez qui chante? C'est Pato! Pato, alors comme ça, c'était toi. Je ne savais pas que tu aimais chanter dans ta douche. Oh, te revoilà. Notre ami Pato adore se laver. C'est très important pour lui, la propreté. Tu as déjà pris combien de douches aujourd'hui? 3. Oh, excuse-moi. 4, évidemment. Tu ferais bien de te presser un peu. Je te rappelle que Pocoyo et Ellie t'attendent. Regardez-le. Pato adore être propre. Il n'y a rien d'autre qui puisse le rendre aussi heureux. Pato, attention où tu marches! Ouf, on l'a échappé belle. Apparemment, Ellie et Pocoyo sont en train de déjeuner. Je serais curieux de savoir ce qu'ils mangent. Tu veux un sandwich, Pato? Pato? Oh, j'ai compris. Tu as peur de te tâcher, c'est ça. Écoute, tu peux sortir de ta cachette maintenant. Pocoyo et Ellie doivent avoir terminé de manger. Tu peux y aller.
Voilà, tu vas voir, je suis sûr qu'ils sont en train de jouer tranquillement. Je me demande ce qu'ils font. Ils peignent avec les mains. Parfois, c'est amusant de se salir. Oh, pauvre Pato. Bon, eh bien, non, ce n'est pas de votre faute. Seulement, je ne crois pas que Pato ait très envie de faire de la peinture pour l'instant. Vous comprenez, il vient de prendre une douche. Qui a-t-il, Ellie? Où vas-tu? Ellie, Pocoyo. Tu sais, Pato, tu ne devrais pas avoir peur de te salir, ce n'est pas si grave. Oui, je sais bien que tu viens de te laver, mais Pocoyo et Ellie ont fini de dessiner. Je me demande d'ailleurs à quoi ils jouent maintenant. Ça ne peut pas être un jeu aussi salissant que la peinture. Très impressionnant, bravo Pato. Tu as réussi à éviter toutes les boules de boue. Ah non, j'ai parlé trop vite. Ah, comment t'annoncer ça? Pato a tout fait pour éviter de se salir seulement. S'il vous plaît les enfants, dites-lui, moi je n'ose pas. Eh oui, je suis vraiment désolé, Pato, mais tu as une tache de boue. Regarde. Pato, Pato, calme-toi, Pato! Ce n'est pas si grave, j'ai essayé de te le dire tout à l'heure. Ce n'est pas si terrible de se salir, n'en fais pas tout un drame. Mais enfin, crois-moi. Vois le bon côté des choses. Tu aimes quand tu es propre et que tu sens bon, n'est-ce pas? Alors, quel est l'intérêt de se laver pour être propre si avant on ne se salit pas un tout petit peu? Tu as déjà réfléchi à ça? Oh, regarde comme c'est gentil. Tes amis t'ont apporté une baignoire. Pato a enfin compris qu'il valait parfois mieux se salir avant de se laver. Ça rend la toilette encore plus amusante. Regardez comme il est heureux. Plus on se tâche et plus on passe de temps sous la douche ou dans son bain. C'est amusant de faire des choses salissantes, mais après, il faut toujours se laver. Un grand bravo à Pato et un autre pour Pocoyo. À très bientôt, les enfants. Au revoir. Ah. Il commence à se faire tard au pays de Pocoyo et de ses amis. Pocoyo et Pato se sont déjà lavé les dents et à l'heure qu'il est, ils doivent se préparer à aller... se coucher. Oui. Comme je disais donc, Pocoyo et Pato doivent se préparer à aller se coucher. Bonsoir, Pocoyo. Bonsoir. Il commence à se faire tard, Pocoyo. Tu sais ce qu'on fait d'habitude quand la nuit est tombée. Pato, lui, est déjà au lit. Dites-moi, les enfants, pourriez-vous expliquer à Pocoyo ce qu'on fait normalement à cette heure-là? On dort. C'est ça, il est l'heure de dormir. Alors, va te coucher. Non. Oh là là, j'ai l'impression que Pocoyo n'a pas du tout envie d'aller au lit. Mais enfin, Pocoyo, tout le monde a besoin de dormir. Toi, tu n'en as pas besoin. En es-tu sûr? Oui.
Ah, tu vois, Pato essaie de te faire comprendre que lui, il a besoin de sommeil et tu l'empêches de dormir en courant partout et en faisant du bruit. Ah, ça c'est très gentil. Bravo. Ah, voilà. C'est mieux comme ça. Bonne nuit. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Bonne nuit. Comment dire, on ne joue pas avec ces cubes quand il est l'heure d'aller se coucher. Tu le sais bien, Pocoyo. Tu construiras une tour demain matin, mais pas ce soir. Bonne nuit. Pocoyo. Oh, Pocoyo, je suis vraiment désolé, mais la nuit, on ne joue pas non plus au train électrique. Ah, tu vas être content, mon petit Pato. Il a finalement réussi à s'endormir. Maintenant, toi, tu vas pouvoir dormir. Fais de beaux rêves. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe, Pato? Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Ce n'est pas grave, je peux peut-être t'aider. Alors, voyons voir. Si je te jouais une petite musique pour t'endormir... Hein? Attends voir. Oui, ça y est, je sais. Non, ben non, ça n'a pas marché. J'ai trouvé. S'il vous plaît, les enfants, voulez-vous bien chanter une berceuse avec moi? D'accord, on va chanter. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Oui, ça marche. Nos deux amis se sont enfin endormis. On va les laisser se reposer. Bonne nuit, Pato. Bonne nuit, Pocoyo. Et bonne nuit aussi à vous, les enfants. Bonne nuit à tous et un grand bravo à Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Bonjour Pocoyo. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Oh, une radio. Et des ballons. J'ai l'impression que Pocoyo prépare quelque chose. Une fête, oui. Une fête.
C'est formidable. Mais elle est en l'honneur de qui, cette fête? De Pocoyo. Oh, c'est une fête pour toi-même. Alors, si on devinait, qui Pocoyo va inviter? Des amis. Ah, ses amis, bien sûr. 1, 2, 3, 4. Bravo! Regardez! Regardez Pato! Oh, il est trop drôle! Ah, quel est le problème, Pocoyo? Pourquoi as-tu arrêté la musique? On joue... balle. Ah d'accord, on va bien s'amuser. Il va falloir attraper la balle sans la faire tomber. Mais... ah oui, j'ai compris. Tu as changé les règles. Il faut se passer la balle. Ah oui, pardon. Tu dois porter la balle, pas la lancer. Encore. Après tout, c'est ta fête. Donc, c'est toi qui commandes. Ah, ça, c'est très amusant, ça. Allez, vas-y, Pato! Stop! Mais pourquoi? On s'amusait bien, pourtant. Autre jeu. Oui! Ah, j'ai compris. Pocoyo vous demande de sauter sur un pied. Et si nous faisions comme eux, les enfants? Allons-y, tout le monde saute! Sur un pied, il a dit. Pocoyo. Ça m'a l'air d'être très amusant. On va tous taper dans nos mains pour accompagner la musique. Vous êtes prêts? Stop! Pocoyo, mais qu'est-ce qui te prend? Explique-moi pourquoi tu as annulé la fête. Tous les invités avaient l'air de si bien s'amuser. Ah oui, d'accord. Tu es fâché parce que tes amis refusent de faire ce que tu leur dis. Mais enfin, Pocoyo, tu dois laisser les autres s'amuser comme ils veulent. C'est une fête, pas une obligation. Et puis, une fête sans amis, c'est très ennuyeux, crois-moi. Qu'en pensez-vous? Vous ne croyez pas que Pocoyo devrait inviter à nouveau ses amis? Pardon.
Oh non, ne me dis pas que ça recommence. Ah, c'était une blague. Un grand bravo pour Pocoyo. Il va enfin laisser ses amis s'amuser comme ils veulent. Au revoir et à très bientôt.